Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de Lego Batman de DC Super Heroes, le dernier No Life Employee RL de l'année, le dernier Big Bug Hunter avant les vacances et le dernier Debug Mode tout court. Non, je déconne. Et pas les dernières news de l'année parce que demain, il y en a aussi. Ça y est, Japan Expo, c'est dans quelques jours. On vous rappelle que le stand No Life sera près de l'entrée du Hall 5 à l'emplacement AB38. Il y aura plein d'événements prévus sur le stand. Dès le jeudi à 13h, ce sera le tournage du dernier J-Top de la saison en direct. Florent Gorge sera présent tous les jours de 14h à 15h pour dédicacer deux de ses livres, No Life Story et sa biographie de Kishimoto Yoshihisa, le créateur de Double Dragon. Benzaï, le tenancier du Hard Corner, lui, sera en dédicace de 16h à 17h. Enfin, avis aux amateurs de jeux de combat, il y aura du skill aussi sur le stand. L'équipe de la chaîne vous donne rendez-vous le samedi après-midi, de 16h30 à 18h30, pour un tournoi en exclusivité européenne sur Dead or Alive 5 sur PS3. Vous pourrez tenter d'affronter les membres du role-playing gang et de la rédaction pour prouver votre niveau au monde entier. On revient sur la suite du programme dès demain. Le nouveau projet d'Ankama s'appelle Flynn. Il s'est dévoilé récemment dans un trailer à la direction artistique et à l'ambiance très séduisante. Première pour l'éditeur, ce jeu de plateforme ne se passe pas dans l'univers de Dofus, ce qui est un assez grand changement en soi. Les joueurs incarneront alternativement quatre bourgeons, gardiens des arbres-mondes. Ils auront pour tâche de préserver la sève de leur territoire convoité par d'ailleurs un sèche-cheveux fou. Chaque bourgeon aura sa compétence bien à lui. Flynn chante pour interagir avec les alentours, Lift peut adhérer aux parois, Ewok peut se gonfler comme un poisson globe, sous cette forme il est invincible et peut aussi ouvrir de nouveaux passages si des blocs sont fissurés. Enfin, Nils peut se propulser dans les airs. L'univers présenté a l'air sympa comme tout, et tout le monde pourra se faire une idée du gameplay par soi-même très bientôt. En effet, le jeu sera jouable lors de Japan Expo sur le stand Ankama avant sa sortie prévue pour cet automne sur PC. Encore un brin de Dead or Alive 5. Le nouveau titre de la licence de Tecmo sera disponible en Europe le 27 septembre 2012. Les amateurs de jeux de baston et de jolies filles seront sûrement aux anges d'apprendre qu'une version collector sera disponible en Europe pour environ 80€. Niveau contenu, l'éditeur ne va pas se cacher derrière des faux-semblants et affiche la couleur en proposant des costumes supplémentaires pour chaque personnage, c'est-à-dire des maillots de bain pour bien apprécier la plastique parfaite des combattants. Il y aura également un artbook, la bande-son du jeu et un poster, le tout disponible dans un beau boîtier en acier embossé. En ce moment, je prépare activement ma visite de Japan Expo et je pense que je ne suis pas la seule. Il y a de fortes chances pour que l'on se croise là-bas. D'ailleurs, je compte sur vous pour passer sur le stand de No Life. J'en profite aussi pour réviser les conseils que Caroline a donnés l'année dernière et que l'on peut voir sur No Life Online. Penser à prendre un sandwich, penser à prendre à boire, faire son programme et tout et tout. Alors j'ai aussi quelques astuces à partager, mais avant on regarde la critique de Lego Batman 2 DC Super Heroes. Tel un élève dépassant son maître, dans les jeux vidéo comme ailleurs, il arrive que les parodies surpassent les œuvres originales. En 2005 par exemple, le premier Lego Star Wars était sorti de nulle part et nous avait tous pris à revers en se révélant meilleur que l'adaptation officielle de l'époque. Cette année-là, peu de monde avait misé sur un tel projet et après tout, qui aurait misé sur un jeu muet destiné aux plus jeunes et mettant en scène des personnages cubiques aussi jaunes que les Simpsons. 7 ans après ce premier succès, les Lego sont pourtant plus que jamais là. Pire, ils se sont attaqués à d'autres univers, parfois avec une étonnante efficacité. Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, ce ne sont que quelques-unes des licences que la marque a parodiées, et ce, toujours avec la même recette, de l'humour, des briques en plastique et du fanservice. Après Lego Batman, un titre pas foncièrement mauvais mais très largement perfectible, la version en briques de l'homme chauve-souris nous revient, à l'occasion d'une suite qu'on nous promet pleine de nouveautés. Dans
bien des comics, les vilains sont au moins aussi charismatiques que les héros. Les X-Men ont leur Magneto, les 5 Fantastiques leur Docteur Doom, et Batman, bien sûr, a son éternel Joker. Bonne nouvelle pour les fans du génie psychopathe, il est de nouveau le principal antagoniste de l'histoire, ou plutôt l'un des deux principaux antagonistes, car il est maintenant accompagné de Lex Luthor. Lego Batman 2 suit ainsi une histoire originale, jamais contée dans les bandes dessinées. Tout commence lors d'une soirée durant laquelle Bruce Wayne et l'industriel de Metropolis se disputent le titre d'homme de l'année. Titre qui est finalement décerné au milliardaire philanthrope, au grand dam d'un Lex Luthor qui ne cache pas sa frustration. Je n'aime pas ce gars. L'agacement du PDG de la LexCorp ne sera néanmoins que de courte durée, car voici qu'interviennent le Joker et toute sa bande, venus délester les invités de tout dollar superflu. Qu'est-ce qui est vert et qui se trouve dans votre portefeuille ? De l'argent. Non ! Plus maintenant ! Profitant de l'agitation pour revêtir sa combinaison moulante, Bruce renvoie tous ses malfrats à la place qu'il aurait réservée à l'asile d'Arkham. Merci pour le coup de main, Batman. Mais comme toujours, le Joker et sa clique ne resteront pas longtemps dans cette soi-disant prison de haute sécurité. Cette fois-ci, c'est Lex Luthor qui leur permettra de s'évader. Ce dernier ayant mis au point une arme capable de mettre à mal à la fois Superman et Batman, il voit dans le Joker le partenaire idéal pour se procurer la matière première nécessaire à son fonctionnement, de la kryptonite. J'ai besoin d'un coup de main pour remplacer la source d'énergie. Et c'est pas des piles. C'est le début de la coopération entre deux des plus grands méchants de l'univers de DC. Si vous avez déjà joué à des jeux estampillés Lego, vous êtes sans doute au courant que leurs gameplays sont extrêmement similaires, pour ne pas dire interchangeables. Que ce soit dans Lego Harry Potter ou dans Lego Batman, avancer dans les niveaux vous demande principalement d'utiliser des éléments du décor pour les retransformer à votre guise. L'idée étant que les briques en plastique peuvent servir de base à n'importe quel assemblage. Évidemment, chaque saga possède des éléments propres à la licence qu'elles exploitent. Si Batman ne lance pas d'Expelliarmus, il peut en revanche envoyer des batarangs, utiliser son grappin et surtout s'équiper de combinaisons aux capacités uniques. Pardonnez-moi, monsieur. Nous vous les évoquions dans la critique du premier épisode. Une fois enfilées, ces combinaisons peuvent, entre autres, permettre au héros de devenir invisible, lancer des missiles, geler l'environnement, ou encore d'utiliser un Karcher façon Mario Sunshine. Batman et Robin ne disposant pas des mêmes combinaisons, il faut jouer sur leur complémentarité pour progresser d'un écran à un autre en activant tel ou tel mécanisme, sachant qu'un autre joueur peut incarner le deuxième personnage. Sans trop s'attarder sur ce sujet, sachez que niveau résolution d'énigmes, Lego Batman 2 ne se différencie pas énormément de son prédécesseur, ni d'un autre jeu Lego d'ailleurs. Mais il serait toutefois injuste de réduire cette suite à cet unique aspect du gameplay. En introduction, nous vous parlions de nouveautés, et celles-ci sont définitivement présentes. Première grosse différence avec les autres jeux de la marque, les personnages sont enfin dotés d'une voix. Il a dû être le premier à s'échapper. Il avait dû introduire une sorte d'explosif. Le mutisme des protagonistes était pourtant l'un des principaux codes de la série, mais avec un scénario original en guise de fil conducteur, il aurait été difficile de faire comprendre les plans du Joker uniquement par des grognements ou des mimiques. Plutôt radical, ce changement permet à la narration d'atteindre un niveau supérieur, tout en rendant les personnages plus vivants. Le Joker mitraille des calembours. Tu connais l'histoire du gars qui s'habille en chauve-souris ? Y a une sacrée chute ! Batman joue les rabat-joie dès que Robin parle de Superman. Salut Superman ! Il est trop gentil. Ouais, il est génial. Et Robin, justement, paraît plus naïf que jamais. Mais tu viens juste de coller ça dessus ? Wow ! On apprécie donc beaucoup l'ajout des voix, surtout que ce n'est qu'une des deux grosses nouveautés apportées par Lego Batman 2. La deuxième nouveauté, c'est bien sûr l'apparition d'un open world. Que vous décidiez d'y aller à pied, à moto ou en Batmobile, les rues de Gotham City sont désormais à vous, et vous êtes libre d'y errer entre deux missions pour combattre le crime, aider les citoyens en détresse, ou encore l'explorer pour en découvrir tous ses secrets. Entre les briques dorées à collectionner, les puzzles à résoudre et les personnages à acheter, vous aurez largement de quoi booster la durée de vie du jeu, pour peu que vous soyez du genre collectionneur, surtout que certains mécanismes ne se débloquent qu'en présence de personnages particuliers. Car oui, si les grands ennemis se sont alliés, Batman et Robin peuvent aussi compter sur leurs amis de la Ligue des Justiciers pour faire régner l'ordre et la justice à Gotham City. Tour de surveillance Ligue de Justice, appelle Batman. Ici Batman. Wow.
Oui, l'épuisante recette destruction-reconstruction du décor fait toujours partie intégrante du jeu, quand bien même on aurait aimé que Traveler's Tales pense à intégrer un autre système de résolution d'énigmes. Énigmes qui sont loin d'être compliquées, mais qui possèdent leur logique propre. En clair, préparez-vous à être bloqué de longues minutes si vous êtes passé à côté de l'élément en particulier avec lequel il fallait interagir pour progresser. Mais Lego Batman 2 ne se limite pas qu'à ça. Traveler's Tales a cette fois-ci tenté l'originalité, et cela, nous tenons à le souligner. Les deux grandes nouveautés de ce Lego Batman 2 sont tout de même assez majeures pour être saluées, même si encore une fois, elles auraient pu être largement mieux implémentées. Prenons par exemple les voix des personnages, qui sont différentes de celles utilisées habituellement. Il n'est pas entré par effraction juste pour faire ça. Alors que dans les deux jeux de Rocksteady, le casting était irréprochable, ici tout paraît un peu fadasse, parfois horripilant, en plus de bénéficier d'un mixage sonore franchement moyen. Quant à la ville ouverte, les déceptions vont bon train à son sujet. Non pas que la direction artistique soit mauvaise, le style sombre de la ville est agréablement bien retranscrit, mais cette dernière paraît inévitablement vide. Certes, comme nous l'avons dit précédemment, il est possible de sauver des citoyens, ou encore de dénicher quelques trésors, mais niveau interaction, nous sommes encore à mille lieues de ce que pourrait proposer un jeu Rockstar. Les baisses de framerate, les nombreux bugs de collision et la carte totalement incomplète ne venant pas jouer en faveur de ce Lego Batman 2 qui, pour le coup, aurait sûrement tiré profit de quelques mois de développement supplémentaire. En fait, le jeu dans son ensemble est tout simplement trop perfectible pour faire partie des meilleures adaptations Lego. On pense bien sûr à Lego Indiana Jones ou à Star Wars, la saga complète. Avouons tout de même que les deux grosses nouveautés vont permettre à la licence de faire un gros bond en avant, et cela nous laisse plutôt enthousiastes sur la suite. Au final, on sent que Lego Batman 2 n'est que le squelette d'un prochain jeu potentiellement énorme. On reste donc à l'affût du futur Lego City Undercover. On a beau rabâcher chaque année qu'il faut toujours penser à prendre son ticket retour de RER en avance ou le matin même, et chaque année, c'est la même rengaine. On se retrouve le soir avec des files d'attente interminables pour les guichets. C'est agaçant pour ceux qui font la queue, mais aussi pour les autres, parce que ça bloque les accès au quai. Alors sinon, pour rentrer tranquillement à RER, mon secret, c'est de faire le voyage à l'envers. Au lieu de rentrer vers Paris, je remonte d'une station dans la direction opposée à Paris. Ça me permet de monter dans un RER vide et ne pas affronter la cohue sur les quais. Voyager debout dans le RERB bondé devient vite un cauchemar et en fin de salon, c'est un vrai calvaire. Mais avec cette astuce, vous aurez toujours une place assise. Enfin, c'est terminé maintenant que tu l'as donné l'astuce. Voilà. Et maintenant, regarde Life Employ RL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Les éditions Tonkam, en fait, c'est l'une des deux plus anciennes sociétés d'édition dans le manga. On est spécifiquement dans le manga, même si on se développe un peu dans la bande dessinée française maintenant. On fait partie du groupe Delcourt Soleil. On est à peu près 11 dans la société et pour la moitié, on est un peu des passionnés, je veux dire ça comme ça. Conditions de travail. On a du stress par moment parce qu'on fait des salons, des choses comme ça, et puis qu'on n'est pas énormément. Mais effectivement, c'est une bonne école pour apprendre. En tout cas, quand on a envie d'apprendre son métier et qu'on aime ce type de métier, c'est vraiment la société idéale pour ça. Profil recherché. Le type de profil qu'on recherche, c'est quelqu'un qui est à cheval en fait, entre la PAO et l'édition, qui connaissent InDesign, Photoshop, surtout InDesign, puisque c'est pour pouvoir recevoir les livres qui viennent de l'extérieur et qui sont faits par des sociétés extérieures, les relire, les corriger à l'écran sur InDesign, et aussi dans l'autre sens, pouvoir récupérer des traducteurs les livres qui arrivent, les traductions, le matériel, et pouvoir l'envoyer aux sociétés extérieures pour qu'ils puissent. Donc c'est vraiment le suivi du livre, donc avoir une connaissance InDesign, c'est vraiment très, très utile. Niveau d'études et expérience. Pour le niveau d'études, aux éditions Tonkam, généralement, on fait surtout des gens qui débutent. On prend très peu de personnes qui ont déjà 20 000 années d'expérience, parce que c'est vraiment une société qui souvent prend des stagiaires qui deviennent après des CDI. Mais quand on prend quelqu'un qui arrive comme ça, généralement quelqu'un de jeune, on va avoir un minimum d'expérience
autrement dit avoir fait des stages avant, avoir fait des études d'édition, forcément, pas forcément Cagnes-Hippocagnes, mais au moins une école du type Villetaneuse ou Saint-Cloud, c'est vraiment très très bien. Donc, et être dans l'édition, aimer un peu le manga ou la bande dessinée en règle générale, ou même si on n'en lit pas, ne pas être dérangé par ça, parce que c'est quand même très difficile et spécifique le manga pour travailler dedans. Rémunération et évolution. C'est le SMIC, forcément, puisqu'on demande quelqu'un qui commence, donc avec la possibilité d'évoluer, ça c'est évident. Comme on débute, on est amené à apprendre pas mal de choses et évoluer. C'est aussi une société qui est là pour donner une... J'ai pas forcément une expérience, mais c'est vrai que quand on débute, c'est très difficile de trouver un travail, parce que souvent les sociétés demandent 4 ans, 5 ans d'expérience, et on vous donne pas la chance de pouvoir avoir cette expérience pour mettre son CV. Donc c'est vrai que c'est surtout ce que Tonkam apporte, c'est permettre à des gens qui sont jeunes d'avoir cette fameuse expérience et connaître un peu tous les niveaux de l'édition. À éviter absolument. Il faut éviter surtout de faire le robot. Autrement dit, question-réponse. Il faut pouvoir essayer d'instaurer un dialogue, surtout dans un profil comme ça. Il faut pas hésiter si on a fait un fanzine ou travaillé un peu là-dedans dans des salons, etc. En parler, parce que c'est une forme d'expérience aussi. Voilà, puisque ça peut paraître bête, mais les loisirs, certains types de loisirs peuvent aider dans le milieu professionnel. Donc c'est sur ça, mais le plus important, c'est éviter d'en faire trop, de se surévaluer, de dire qu'on a fait un stage, mais qu'on a fait plein de trucs pendant ce stage, parce qu'en général, un stage, on sait très bien qu'on ne peut pas, c'est quand même limité dans ce qu'on fait dedans. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas montrer sa timidité. Il faut essayer d'être le plus naturel possible. Les sociétés aujourd'hui ont besoin de personnes qui puissent être autonomes, même quand ils débutent, qui puissent être autonomes dans leur poste. S'il faut sans arrêt les coacher, etc. Il y a encore 5 ans, ça pouvait aller, mais aujourd'hui, on a besoin de personnes qui ne soient pas trop timides et renfermées et qui puissent pouvoir montrer qu'ils peuvent, sans non plus en faire trop. Hein, voilà. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Entre les conférences, les concerts et les séances de dédicaces, on peut dire qu'on est vraiment gâtés cette année et il y a beaucoup de monde à voir. Du coup, il faut bien se préparer pour être sûr de ne rien rater, à commencer par les programmes du site officiel. Mais ce n'est pas tout. Le site de Japan Expo n'a pas toujours toutes les infos nécessaires. C'est donc à vous de faire vos recherches sur les sites officiels des artistes et des éditeurs pour bien vous préparer. Il y a aussi beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux et les blogs. C'est d'ailleurs sur ces espaces que vous pourrez poser directement vos questions. Et on enchaîne sur Big Bug Hunter. Il y a de plus en plus de gens qui, dans la rue, se précipitent sur moi. Alors, comme tout le monde, hein, vous me direz, ceux qui veulent me détrousser, ceux qui veulent me violer... Oui, ceux, oui. Mais il y a aussi tous les gens qui courent vers moi en pleurs, qui me disent « Mais on parle de plein de choses dans Big Bug Hunter, mais finalement, qu'est-ce qui fait un bon chasseur de bugs, hein? Quelles sont ses qualités ?» Oui, il y en a, oui. Eh bien, je pense qu'il est effectivement grand temps de lever le voile sur ce mystère, et c'est pourquoi aujourd'hui, avec mon éminent collègue Norizorb, eh bien, nous allons faire une plongée au cœur de l'âme du Hunter. Eh, sympa l'effet, là. Dark Souls est un jeu difficile. Ce jeu d'action RPG est impitoyable envers le joueur, et la moindre erreur se paye très cher. Cette difficulté élevée, couplée à un univers très sombre, font de ce jeu un petit chef-d'œuvre. Mais c'est également un chef-d'œuvre au niveau des bugs. On a le droit ici à du glitch de très, 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 très haut niveau. Jugez donc par vous-même. Certains ont peut-être rencontré des difficultés face à l'hydre du lac Cendré. Le chasseur de bugs est un être courageux, qui sait très bien que la meilleure attaque... C'est la fuite. Eh oui, ignorez-la tout simplement et courez comme un dératé jusqu'au feu de camp au bout de l'étroit chemin. Reposez-vous, soufflez un peu et retournez au bord du lac. Vous verrez alors l'hydre disparaître sous vos yeux. Eh ben reviens ! C'est pas parce que je cours plus vite que toi qu'il faut mal le prendre, là, c'est pas très coubertin, ça. Une fois cette bataille éreintante terminée, allez près de l'hôtel pour rejoindre le serment de la Voix du Dragon. Vous êtes maintenant en possession de l'objet le plus craqué du jeu, la pierre de tête de dragon.
équipez-la et vous pourrez cracher des flammes. Wouhou, ouais, cool, mais ridicule à côté du vrai potentiel que cache cette pierre. Voilà une autre caractéristique du bon chasseur de bugs, sa capacité à utiliser un objet en le détournant de son utilisation première. Non. Non ! Non ! Équipez donc une âme de guerrier et tournez le dos à l'écran. À partir de là, il faut être très rapide. Utilisez la pierre comme si vous vouliez cracher des flammes. Retournez-vous, switchez d'objet pour équiper l'âme, relâchez le bouton d'utilisation d'objet et rappuyez dessus. Si vous avez effectué la manipulation assez rapidement, aucune flamme ne sortira. Mais par contre, le compteur d'âme commencera à grimper à une vitesse vertigineuse. Mais regardez-moi ça, mais c'est tout simplement magique ! Avec ce bug, on peut gagner un nombre hallucinant d'âmes, et par extension, monter de niveau très rapidement. Alors, je vois déjà des milliers de joueurs se précipiter sur leur console pour essayer. Mais attendez, ça ne fonctionne pas, car le bug a été corrigé par une mise à jour automatique du jeu. Eh oui, nous sommes dans une ère où les éditeurs n'assument plus leurs erreurs. Personnellement, je pense plutôt qu'ils essayent de nous faire chier. Mais bon, c'est personnel. Oui, alors une autre qualité indispensable du chasseur de bugs, c'est le sang-froid. Hein, la capacité à avoir des nerfs d'acier pour ne surtout pas répondre ni céder à la provocation. Attends, un chasseur de bugs, il faut aussi savoir se faire plaisir. Les possibilités de mise à jour offertes par les machines récentes sont un véritable fléau pour nous autres chasseurs. Ah là là, non mais c'était mieux avant, non mais clairement, non, bon bref. Pourquoi vous parlez d'un bug qui ne marche plus ? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez encore l'utiliser si vous avez une version 1.0 du jeu, c'est-à-dire jouer sur une console que vous ne reliez jamais à Internet. Non ! Ne connecte pas cette console, car sinon voilà ce qui va se pas... Pour en finir avec ce bug, il est aussi possible de l'utiliser pour dupliquer des humanités, ou encore des prismes pour faire un magnifique parterre coloré. Si vous y allez trop fort, la console ne pourra plus suivre et risque de planter, soit dit en passant. Dans la même catégorie des bugs anéantis par une sauvage mise à jour, on pouvait enchanter certaines armes censées être non enchantables, et on obtenait ainsi des armes à la puissance dévastatrice. Mais revenons donc à des bugs encore d'actualité. Oui, parlons du BB Glitch par exemple, qui comme chacun sait est l'abréviation de Bottomless Box Glitch. Hein, ce bug puissant vous permet de transférer des objets d'une partie existante vers une nouvelle partie. Commencez par prendre une partie bien avancée et mettez des objets que vous voulez donner à un nouveau perso dans votre boîte sans fond. Créez ensuite plein de nouvelles parties fake jusqu'à atteindre le maximum de 10 slots de sauvegarde. Lorsque vous allez vouloir créer une nouvelle partie, le jeu va vous demander d'en supprimer une. Logique. Mais avant cela, affichez le détail du perso qui a mis les objets dans sa boîte sans fond. Supprimez ensuite une des fausses sauvegardes et commencez une nouvelle partie. Empressez-vous d'obtenir la boîte sans fond et ouvrez-la. On s'aperçoit avec joie que les objets mis par l'autre perso dans sa boîte sont bel et bien là. Et le plus cool dans l'histoire, c'est que vous pouvez prendre les objets sans vous soucier de votre généreux donateur. Il pourra récupérer les siens sans aucun problème. Voilà comment commencer une partie avec du stuff pour homme. Pourquoi ? Eh bien parce que le chasseur est généreux. Il donne, il s'implique, hein, il partage son savoir, ses astuces. Finalement, ce qui est à moi est à toi, comme dirait un confrère. Excuse-moi, t'aurais pas du feu ? Bon, après tout ça, on se dit que le jeu est complètement essoré avec des bugs pareils. Mais non ! On vous a réservé le meilleur pour la fin. La pire crainte des joueurs de Dark Souls, c'est bien évidemment de mourir. La mort est synonyme d'un retour forcé à un feu de camp. Et surtout, il faut retourner à l'endroit de sa mort pour pouvoir récupérer ses pouvoirs perdus. Ah bah, impitoyable, ah bah ça, on vous l'avait dit, hein. Sauf que si vous venez à quitter le jeu sauvagement pendant l'écran de chargement qui suit votre mort, la sanction sera beaucoup plus clémente. Relancez le jeu, qui vous informera qu'il n'a pas été quitté d'une façon très catholique. Personnellement, je ne vois pas du tout de quoi il veut parler. Continuez, et vous reprendrez la partie comme si de rien n'était, à proximité de l'endroit où vous êtes mort. Vos pouvoirs sont juste à côté, et vous n'avez qu'à tendre le bras pour les récupérer. Ok, à ce stade, on peut dire que le jeu est complètement broken, comme disent nos collègues anglophones. Yeah. Quoi, encore ? Ah non, si on diffuse ça, là, on va se prendre un procès de From Software. Hein. Ah non, c'est trop chaud, on peut pas, quand même. Mais le chasseur aime le risque. Alors on y va ! Bon, allez, je vois que vous trépignez, donc je vais tout vous dévoiler. Il est en fait possible de skipper des portions entières du jeu en effectuant du Wong Warping. Dans les catacombes, rendez-vous dans la salle du serment des serviteurs des tombes et utilisez un objet ou une magie pour retourner à un feu de camp. Tout comme le bug précédent, quittez le jeu pendant l'écran de chargement.
vous allez réapparaître juste au-dessus de la salle du boss, skippant ainsi toute une partie du niveau. Et en plus, vous arrivez dans le dos du boss, ce qui n'était pas vraiment prévu à la base, mais qui fait toujours plaisir. Et bon, allez, on finit vraiment cette fois avec The Big Bug. Si, si, je vous promets, c'est le dernier, mais ça me fait plaisir, c'est cadeau. Rendez-vous à l'hôtel Lichefeu. Une imposante porte vous barre la route et elle ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas récolté les âmes de Nito, Sis, des Quatre Rois et du Foyer du Chaos. Autant vous dire que ça représente beaucoup d'heures de jeu. Eh bien, faites comme dans la tombe des géants. Retournez à un feu de camp et quittez le jeu à la bourrin. Devinez où vous réapparaissez ? Oui, tout à fait, derrière la porte, bien entendu, oui. Vous venez de skipper pas loin de la moitié du jeu, et il ne reste plus qu'à aller battre le boss final pour y mettre un terme. Bref, là je crois qu'on a atteint le point de non-retour. Hein. Le jeu est plus que broken, il est complètement destroyed, comme diraient nos amis américains. Et voilà, j'espère maintenant que vous en savez un peu plus sur la philosophie de la chasse aux bugs. Hein. Ses exigences, ses dangers, mais surtout, sa noblesse. Et comme nous sommes dans une émission spéciale et que je suis un chasseur et donc généreux, eh bien je vous offre en exclusivité le bug de Big Bug Hunter. C'est-à-dire que normalement à la fin du générique, l'émission est terminée. Sauf si je fais cette manipulation, à savoir que je vais me placer par des petits pas latéraux exactement au pixel près sous le logo No Life et que je le touche à la frame exacte où on lance le générique. Et bien dans ce cas-là, que se passe-t-il à la fin du générique? Je réactive la caméra pendant une durée de 10 à 20 secondes à l'insu de l'équipe. Voilà. Évidemment, ni No Life ni moi ne pouvons être responsables de ce que vous allez voir puisque ça n'est pas du tout prévu. Mais bon, comme disent les chasseurs, soyons courageux. Ah, allez. Ok, Alex, est-ce que tu peux enlever le filtre audio sur ma voix, s'il te plaît? Ouais, voilà. Est-ce que tu peux enlever le filtre vidéo, là? Je commence à fatiguer, là. Voilà. Tu crois qu'on leur dira un jour qu'il n'existe pas, Slim? Non, non, au moins, tant qu'ils y croient, on est peinards. On peut raconter n'importe quoi. Non, mais t'as raison, on est vraiment trop fort. Ça gère. Sur place, soyez vigilants car il y a toujours de la contrefaçon. Le mieux, c'est de rester fidèle à ses boutiques de confiance et si vous avez des doutes, n'achetez jamais sans bien observer avant. La contrefaçon est rarement de bonne qualité, alors ayez l'œil. Pour les figurines, il y a le site Figuremaniacs qui a publié une version modifiée de la carte en pointant les endroits clés des amateurs de figurines. Et surtout, ne vous contentez pas des boutiques professionnelles comme si c'était un supermarché. Il y a tellement d'associations, de fanzines, d'animations, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Tout de suite, c'est des Bug Mode. Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Merci à nos gentils spectateurs pour cette magnifique plante. Donc cette plante nous a été offerte pour égayer nos Debug Mode, pour que le décor soit un peu plus joli. Donc voilà, je la mets là. Et on va essayer de bien en prendre soin. Cette semaine, pour le dernier Debug Mode de l'année, on va vous parler de Niron Goga Dekimasuka, une émission qui nous a été proposée par un spectateur, monsieur Foussé Olivier, de son vrai nom, qui, il y a au moins plusieurs années, nous avait dit « j'aimerais faire une émission d'initiation au japonais ». Et voilà, des années après, il a enfin réussi à réunir une équipe et à nous proposer cette émission. On regarde. C'est vrai que j'étais venu avec une amie il y a maintenant plus de 3-4 ans même, en tout. Qui était vraiment intéressé pour faire une émission sur la langue japonaise. Bon, pour les raisons XY, ça n'a pas pu se faire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc Alex est venu me voir pour... alors c'est encore sur le forum, si les historiens, les préhistoriens du forum peuvent retrouver le message qu'on s'était fait envoyer. Et donc je proposais de participer à un forum, une sorte de conférence sur le Japon, avec différents sujets, dont des sujets qui étaient assez proches, je trouvais, de la ligne... de No Life, sur les relations coréen-japonais pour l'animation ou pour les relations, etc. C'était assez vraiment intéressant. J'ai appris du coup à voir comment faire un montage, comment ça se fait une émission, de créer un dérush, j'ai appris vraiment beaucoup de choses qui m'ont à la fois motivé et à la fois permis de comprendre en quoi mes critiques étaient parfois très acerbes sur des reportages que j'ai vus, que je trouvais très mauvais sur l'histoire ou très mauvais sur tel sujet. Il me dit, en fait, le gars, il fait ce qu'il peut. Et ce faisant, j'ai essayer de me reprendre l'idée, de dire ouais, c'est vrai que l'émission sur la langue japonaise ça a raté, mais quels sont les outils que je peux trouver parmi ce que je peux avoir autour de moi pour créer l'émission.
En fait, au début, je devais simplement travailler sur un petit fond animé. Le fond animé, vous voyez, en fait, avec les hiragana qui flottent sur le fond de Yaska. Et puis, de fil en aiguille, Olivier m'ayant pas aimé en parler de son projet, je me suis dit, c'est quand même vachement intéressant. J'avais plein d'idées à lui proposer. Et donc, du coup, on est arrivé à donner la main, puis après le bras, et puis tout y est passé. Et donc, j'en suis arrivé directement à faire la réalisation de l'émission. Du coup, l'idée que j'ai pris, que j'ai discuté avec Samy, ou j'ai discuté avec d'autres personnes, c'était vraiment de partir sur ce triptyque, une partie tournage en plateau avec une personne. Donc là, c'était Yaska qui a accepté d'être à la fois la rédactrice de l'émission de cette partie-là et à la fois qui présente cette partie-là. Tension à gagner, c'est pas possible. Fudan, moi, quand je parle, c'est une tension qui est très haute. Bonjour, etc. Mais dans le tournage, c'est Yaska, ou ce genre de tension. Donc, ça m'a beaucoup fatigué. Et après le tournage, je suis assez fatigué. Je suis allé à la maison, je suis allé dormir. Lettre pour du courrier. Du courrier. Quoi? Une lettre de la poste. Une lettre de la poste. Lettre de la poste. Otegami. Oui. Otegami. La deuxième partie, donc, il manquait quelque chose qui soit encore différent au point de vue visuel, au point de vue vie quotidienne, juste comme ça. Et on a eu la chance de pouvoir discuter et se mettre en relation avec une association qui s'appelle FPA Japon, qui est créditée à l'émission. Et troisième partie, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Claire, qui est donc professeure de japonais, qui est linguiste aussi. Nous allons voir comment construire une phrase du type « Nathalie est » ou « n'est pas française ». Ok. Et qui a accepté de prendre ce pari de partir d'un contenu déjà existant, un clip, une interview, quelque chose comme ça. J'ai choisi ce titre car on y trouve caché dans les paroles l'insulte ultime, « baka ». Et de faire ressortir un mot, une expression, une phrase. Il y a une connaissance globale des choses et que, voilà, un mot en japonais ou en français, c'est aussi une culture, c'est une sociologie parfois, c'est une histoire du mot, c'est un sens qui change, c'est un sens qui est utilisé différemment. Et c'est en ça que Yaska partage des choses et que Claire partage des choses avec les spectateurs et même le Japon avec cette partie de la vie quotidienne. Et vraiment, c'est l'envie de... On va lentement, mais on explique plus qu'un mot. Ensuite, vous placez la description. Il peut s'agir d'un nom ou d'un adjectif. À la forme négative, tout est pareil, sauf le death final qui devient des voix alimacen. Le tout est pareil était un peu neutre, faut plus le jouer. Okay. C'est toujours très difficile de venir voir Alex avec un projet, parce qu'on a toujours l'idée de dire ça ne sera jamais assez bien pour lui. On a toujours envie de faire plus, parce que, encore une fois, je redis, peut-être ne sais pas, mais je suis arrivé vraiment les mains dans les poches en ne sachant rien. Donc, Alex m'a vraiment, avec d'autres personnes de l'équipe, m'ont vraiment formé, m'ont expliqué avec beaucoup de gentillesse une fois, deux fois, trois fois les choses. Et de revenir avec un projet qui est censé être diffusable, donc avec une qualité minimum, avec un respect de l'autre. Et c'est vrai que, à l'inverse, on était étonné de dire bah voilà, super, c'est génial, on commence quand? Ah, bon, ben là, je peux peut-être nous laisser 6 mois. Nanka, yoku, télévision ni utsutta toki no hito te. 太って見えるっていうのを私は聞いていて、で、わかんない、なんかみんなに聞いてみないとわかんないですけど、画面の中ではすごい太ってるように見えたんですよ。だからすごいそれがショックだったのと、あとやっぱりその動きが不自然っていうのと、で、多分ノーライフのフォーラムで、ヤスカのなんかちょっとまだ緊張してるねみたいのを言ってくれた人がいて、あ、その通りですみたいな感じでした。On n'est pas des cours de japonais. Yaska l'a bien expliqué dès le début, on ne remplacera pas un cours japonais. Par contre, on va rapporter des choses en complément d'un cours ou d'une envie d'apprendre le japonais. Et il y a des choses qu'on n'a pas forcément appris à l'école ou en cours. C'est tout ce qui va être lié, par exemple, donc, à tout ce qui est 18+, entre autres. Tout ce qui va être lié à d'autres thèmes, des thèmes techniques, animation, etc. Mais c'est vrai que 18+, c'est quelque chose qui est... Voilà, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ça la question. C'est fini pour aujourd'hui. Alors demain, ne ratez pas 101% car il y aura la critique de Quantum Conundrum, mon coup de cœur du moment. Si le jeu vous rappelle vaguement Portal, c'est normal puisque les deux jeux ont en commun une game designer qui s'appelle Kim Swift. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.